Et puis, ce communiqué du Conseil supérieur des oulamas, la préservation de la vie est privilégiée du point de vue de la charia sur tout autre acte, y compris la réunion pour les prières surérogatoire. L'imama suprême Imarat al-Mu'minin est soucieuse de la protection de nos vies en premier lieu et de l'accomplissement de notre religion en deuxième lieu. Et elle veille sur la situation sanitaire dans le royaume. Elle est soucieuse aussi de rouvrir les mosquées lorsque les conditions seront réunies dans le cadre du retour à la vie normale. L'accomplissement de Tarawih dans les mosquées peut être remplacé par la prière chez soi, individuellement ou collectivement avec les membres de la famille, sans prise de risque.